ever love me like she does? And if somebody loved me like she do me? Ever try to follow me? And if somebody dares, it's only you. C'était un honneur de faire la couverture, la 11e. C'était un bonheur de les voir dans ma cuisine, de retranscrire tout à fait ce qui se passe dans ma cuisine avec la complicité de Lynn, avec qui je travaille depuis des années. Donc on est dans la simplicité, on ne parle pas de guide, on ne parle pas d'étoiles, on parle juste de cuisine, de passion, on parle de ce qui se passe dans nos maisons, d'évolution, on parle de nos problèmes de recrutement ou pas. Rencontre des gens avec qui on n'a pas le temps de parler au quotidien, même par téléphone, qu'on côtoie pas, qui sont pas dans notre région, et c'est une belle rencontre. Ça, c'est vrai qu'il y a des chefs qui sont là aujourd'hui qui ne sortent jamais. Et vous découvrirez leur visage pour la première fois, et ils sont là pour le cœur des chefs, c'est extrêmement touchant. On se retrouve, on partage, on se voit grandir. Et ça, c'est beau. On sera là l'année prochaine, bien sûr. D'un accueil simple. On n'est pas là pour se montrer, on n'est pas là pour défendre des choses. On est là pour partager, on est là pour échanger. Et ça, c'est fort parce que c'est la vérité et notre métier, c'est comme ça qu'on va gagner. Et nous, on a besoin dans ce métier de rassembler pas que les cuisiniers aussi. Tout le monde de la restauration. Et comme je le disais ce matin, ces journées me semblent intéressantes, bien sûr, mais importantes. On est simplement là pour le bonheur de nous tous ensemble, et à le faire partager au plus grand nombre. Il y a beaucoup à faire, on voit qu'il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, il faut qu'on arrive ensemble à trouver des points d'intérêt et des points justement à améliorer et à mettre tout le monde dans le même bateau pour aller loin devant. Et nous, au sein de nos entreprises, de nos établissements, de se dire comment on peut évoluer, comment on peut s'améliorer. Il n'y a pas de barrière. Et là, on est tous ensemble et on partage juste un bon moment, on échange assez facilement. L'actualité des chefs, pas comme tous les magazines. Encore une fois, je pense que le magazine, c'est la bienveillance même. C'était une journée d'échange, de transmission qui était assez exceptionnelle. Non, bah, c'est toujours bien aussi de se revoir. Plus on s'écarte, plus on s'éloigne, moins on se voit. Et c'est important de se toucher, de faire des câlinous, de dire qu'on s'aime et d'être solidaire. On a dormi ensemble il n'y a pas longtemps. Mais ça le dit pas.